Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour votre magazine de société. Certains les dénoncent comme étant des abus envers les commerçants. Qu'est-ce que les pas de porte? Est-ce une nécessité? Pourquoi ça coûte si cher? Et qu'en dit la loi également dans le pays? Reportage dès le début de cette émission. Et puis ils vivent les pieds quasiment dans l'eau, immersion dans le village de Tiagba et ses maisons à surpilotis. Comment se passe la vie au cœur de la lagune? Comment on se déplace? Quels sont les codes aussi sur place? Entre tradition et modernité, vous allez voir la réalité de ce village hors du commun. NCI Reportage, ça commence maintenant. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le groupe Porteo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. On s'intéresse à la problématique des pas de porte en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est bien ça. Si jamais l'envie nous prend d'ouvrir un magasin de chaussures, un restaurant ou encore un salon de coiffure, il nous faudra trouver un local et donc très certainement racheter un pas de porte. Racheter un pas de porte, mais à quel prix et d'ailleurs pourquoi? Cette pratique est devenue un véritable cauchemar pour les entrepreneurs. On va tenter de comprendre les raisons dans ce reportage de Patrick Bredet, Roméo Tappé et Armel Zozo. S'acquitter d'un droit d'entrée pour un magasin est devenu la norme. Son nom, le pas de porte. En fonction de la commune, de la superficie, de l'emplacement du magasin, il vous faudra débourser quelques millions de francs CFA et peu importe la rentabilité du business après coup. Des prix du pas de porte ne cessent de s'envoler année après année au point de plonger les commerçants dans la tourmente. À Djamé, capitale du business en Côte d'Ivoire, l'avenue d'Anguille à Brogoi et sa constellation de magasins est un gage de bonnes affaires pour les commerçants. C'est au Forum des marchés que Mohamed s'est installé il y a une vingtaine d'années. Pour s'offrir ce magasin de 6 mètres, il a dû débourser une petite fortune. Le magasin, au départ, on a payé avec le Libanais à 7 millions. Mais pas de porte a été existé selon la parole. Parce qu'on dit tu ne payes pas de porte, mais on ne te donne pas le papier, ni le reçu, le litigance pour te dire que tu as payé le pas de porte. Son premier coup dur, c'est la découverte du loyer à payer chaque fin de mois. Moi, je pensais que le pas de porte, quand tu achètes le pas de porte, ça me dit que le magasin te vient éternellement. Maintenant, ce que moi, je ne comprends pas, tu payes le pas de porte et puis on te dit de payer le loyer. Donc, dites en même temps, le magasin en location. Là, on paye la caution coûte tant et l'avance coûte tant. Là, on peut comprendre. Malgré ses doutes, Mohamed s'engage. Au fil des années, le commerçant déchante. Il n'arrive pas à rentabiliser son investissement. Regardez depuis matin, il n'y a même pas un seul client dans mon magasin. Vous voyez, pourtant, je suis un père de famille. Je nourris les familles et puis il y a des gens qui sont chez moi aussi. Je les aide à sortir dans la galère. Mohamed dénonce ce qu'il appelle une machination. Il n'y a plus d'habitation à Djamé, tout est magasin. Parce que pourquoi? Il y a une magouille qui est au milieu. On te dit le pas de porte coûte à 15 millions. D'autres même vont jusqu'à 50 millions. Imaginons, il y a les dames qui vont prendre prêt à la banque à 50 millions. Elles doivent chercher un magasin pour s'installer. On vient, on dit le magasin coûte 50 millions. Si elle prend les 50 millions pour payer le pas de porte, qu'est-ce qu'elle va prendre pour payer la marchandise pour mettre dans son magasin? Sur ses étagères, il doit se battre contre la poussière et faire face au développement du commerce en ligne. Chaque matin, quand je viens, je suis obligé de nettoyer tout parce qu'on ne gagne plus les clients. Grâce aux gens, les filles, les jeunes femmes, tu viens prendre photo et puis mets ça sur l'Internet. Et vont sur l'Internet, ils n'ont pas le temps à payer. Ils n'ont rien à payer. Mais nous, on a les impôts à payer, on a le loyer à payer, on a les employés à payer, on paye tout le transport, on paye tout. Tout est payé chez nous là-bas. Tu vois, non? Vous voyez tout ça là. Donc, nous, on paye, eux, ils gagnent.
Parce que et là, c'est pour mettre 200 ou 300 dessus et puis payer le livret pour aller livrer et puis c'est fini. Bon, et que nous, là, voilà, nous tu, vraiment, tu payes les impôts, tu payes les loyers, tu as payé les magasins chers, les pas de porte chers, tout ça là. Voilà notre souci. Vous voyez que rien ne marche chez nous. Pour tenter de sauver son commerce, Mohamed dit ne pas avoir d'autre choix que de faire grimper les prix. Ça, on la vendait à 3000 avant, quand, y avait pas, quand tu n'as pas à faire de loyer ni rien. Bon, aujourd'hui, on est obligé de faire à 6000, à 7000, 8000. Parce que l'employé est dedans, le loyer est dedans, l'électricité est dedans, tout est dedans. Le transport se trouve dedans. Le dedans et moi se trouve dedans. Bon, c'est dans ça, on est obligé de... Les femmes l'ont dit, on vend cher, mais nous aussi, c'est pas notre faute. On est obligé d'arriver là. Ce que vit Mohamed, c'est un peu le malaise de plus de 3 millions de commerçants ivoiriens, soumis à la réalité du pas de porte. Pour avoir un magasin, il faut avoir un peu d'argent. Mais le prix là, je ne peux pas avoir. Mais ça là, je peux me débrouiller ici comme ça. Si j'avais un peu d'argent, au moins 1 million, ou même 500 000, ou même 2 millions comme ça, tu peux avoir un magasin. C'est cher, mais avant c'était... Même 15 à 10, comme ça, tu peux trouver même maintenant, pêcheur. 15 à 10, 3 millions ? Oui, avant, c'est quoi maintenant ? À Adjamé, peu importe la crise, les magasins continuent d'ouvrir. Un sujet pour lequel aucun propriétaire de magasin n'a souhaité se prononcer. Ce complexe commercial en finition propose des magasins pour lesquels le pas de porte est compris entre 25 et 70 millions de francs CFA et des loyers entre 100 et 250 000 francs CFA. Aucune commune n'échappe à cette pratique. Cocody-Vallon. C'est dans cette rue que s'est établi Malone. Regarde les John Barton là. Les John Barton, ceux qui sont en bas là. Il faut compter à combien de paires. À 9 paires. Hein. 9 paires. 9 paires en bas. Ok, regarde le dernier rangé en haut. Oui. Le premier rangé en haut là. Oui, il reste combien de paires? Un 10 mètres carrés qu'il a transformé en boutique de vêtements hommes. Pour avoir ce magasin, j'ai dû déboucher 7 500. Ça n'a rien à voir à tout ce que vous voyez dedans. Ça, c'est pour avoir la clé. Malone a investi 1 million dans l'aménagement du local. Étagères, vitrines, présentoirs. Malgré les coûts d'acquisition du magasin, l'adresse physique reste pour lui la clé du succès dans son business. Beaucoup sont découragés des ventes en ligne parce que souvent en ligne on leur propose quelque chose sur les téléphones et quand on fait la livraison, beaucoup trouvent que c'est pas comme ce qu'ils ont vu. Donc c'est ce qui pousse à beaucoup de personnes d'être là maintenant, voir lui-même le truc et prendre toucher comme ça pour être sûr que c'est ça pour payer. Malone souhaite avoir un espace pour développer son business. Le hic, le prix d'un magasin plus grand. Vous voyez, le magasin il n'est pas assez grand, mais on est obligé de faire avec parce que les grands magasins, on n'arrive pas, notre moyen n'arrive pas à pouvoir avoir des grands magasins. Voilà, donc on est obligé de se débrouiller dans ce genre de petits coins. On a peut-être deux coins comme ça. Je souhaiterais avoir un grand magasin un jour et puis agrandir mon commerce. Mais franchement, c'est chaud parce que les magasins aujourd'hui, tu vois un bon magasin sur un immeuble, on te dit pas de porte, ça commence 20 millions, 25 millions, 30 millions. Le manque d'informations sur le pas de porte entretient le flou dans l'esprit des commerçants.
C'est précisément ce qui est arrivé à la famille de Siaka. On est ruiné. On n'a pas d'argent, on est ruiné. Un magasin que vous avez acheté, 12 millions. Au départ, ils avaient dit que chaque fois on doit payer pour faire le mandat, on n'allait pas prendre. Personne n'allait payer. Hein. Mais même les travailleurs qui travaillaient à la Chico, même qui faisaient le dossier, les papiers, et on a dû fermer la bouche, ne pas parler. Parce qu'ils avaient dit, on allait se retirer. Après la réouverture du marché de Trècheville, la grand-mère de Siaka pensait avoir une bonne affaire en achetant 4 magasins. Tu as payé 12 millions, oui. Puis chaque fois, il faut payer encore pendant 17 ans. Et même prendre un machin, ils vont calculer vraiment ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas à faire. Quand la dame demande, mais le monsieur vient de dire, mais ça, c'est pas à faire. C'est pas à faire. C'est pas à faire, c'est du vol. Mais on va voir comment. On a dit engagé, on ne savait pas. Si on ne savait pas, personne ne met son argent. À la suite de l'incendie de 1998, la mairie de Trècheville décide de confier la reconstruction du marché à la SICOJ. À la fin des travaux en 2003, la société de gestion du grand marché de Trècheville a été mise en place pour amortir les 9 milliards de francs CFA engagés. Les contrats ne sont pas du goût des commerçants qui pensaient avoir acheté des magasins. La mairie a sollicité la SICOJ pour construire le marché. Il y a un contrat qui les lie. Les femmes, là, beaucoup n'étaient pas au courant de ce contrat-là. On ne leur a pas montré le contrat. C'est après avoir fini de payer que les gens ont reçu le contrat. Et quand tu lis le contrat, que tu vois le contenu, je vous assure que vous êtes déçus, vous n'avez même pas envie de prendre. Ce qu'on veut, on ne veut plus payer de loyer. On s'est concerté pour dire qu'on doit gréver, ça, c'est pas possible, ils doivent diminuer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. C'est compliqué. Donc, on a fait une grève. Essayer de sortir, barrer la route, toujours. Et c'est que peut-être que beaucoup ont compris ça, à ce moment, en 2006, en 2007, là. Beaucoup ont compris ça. Bon, on est resté dans ça, car au début, on a payé 50 000 francs. C'est-à-dire que tu payes 50 000 francs, les gros magasins. Les petits magasins que tu vois, les box, là. Là, tu dois payer 15 000. La grand-mère de Siaka n'est pas à même de payer les 3 loyers, comme l'exige le contrat, et a du mal à trouver de nouveaux acheteurs. Elle a payé 2 en haut, 1 en bas. Elle est ça. Mais tout ce qu'elle a, elle a perdu déjà. C'est fini. Elle a perdu. Puisqu'on dit encore, il faut venir payer à la fin du mois. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais payer à la fin du mois, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai déjà payé l'argent? Fini de payer. Je ne me suis pas encore installé. 2 mois, 4 mois, 5 mois, elle m'appelle, viens payer. Mais elle n'arrive pas à comprendre. Je lui dis, non, que c'est au contrat. Quoi? C'est déjà trop tard. Une fois là, elle est déjà rentrée. Ils ne vont plus jamais te rembourser encore. Siaka tente par tous les moyens de faire face à la prolifération des supermarchés et éviter de baisser pavillon comme certains de ses voisins. Ça ne marche pas quand c'est avec l'avènement des, comment on appelle, les supermarchés partout là. Vraiment, c'est compliqué. Lui, même s'il a pris à 100 cartons, donc, bon, si on est à 7 000, donc, moi, je dis bon, prends bon, à 5 500 ou à 5 750. Mais moi, je prends 2 cartons, c'est un peu même prix, c'est comme ça. Le pas de porte est une pratique assez récente. C'est peut-être ce qui explique autant de méconnaissance chez les commerçants. Pour comprendre les implications juridiques du pas de porte, nous avons rendez-vous avec un spécialiste du droit. Maître Okossi est commissaire de justice auprès du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Parler de pas de porte, c'est parler d'un droit d'entrée qu'un commerçant paye à un bailleur ou à un précédent locataire pour pouvoir jouir d'un local. Ce qui est idéal, c'est que c'est spécifié dans un contrat, mais le constat est que nos commerçants ici, en Côte d'Ivoire ou en tout cas sous nos tropiques, ne sont pas toujours emmenés à faire des écrits. Que dit alors la loi sur cette pratique? Il n'y a pas un texte spécifique qui parle du pas de porte en ce qui concerne le droit ivoirien ou le droit au RADA. On se sert des usages, on se sert des maximes, notamment la maxime qui dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Cette pratique qui découle des usages qu'on met en droit prévoit des dispositions au moment du départ du locataire. Fixe, payé une seule fois, non évolutif et acquis définitivement au bailleur ou au précédent locataire,
Le pas de porte est souvent au cœur de litiges. Si vous allez au contentieux parce que vous allez réclamer le pas de porte au propriétaire, les juges vous diront simplement que dès le départ, vous avez donné votre volonté. Et donc, il n'y a pas à revenir sur votre volonté. Dès le départ, vous vous étiez accordé pour que, on va dire, le pas de porte soit versé entre ses mains. C'est un montant qui lui est acquis, de sorte que vous ne pouvez plus le réclamer juridiquement. Les bailleurs ont la possibilité de dire on cherche ensemble un preneur. C'est une possibilité, c'est une fois dans le cadre du règlement amiable. Donc, si le bailleur trouve un preneur, si c'est un bailleur de bonne foi, il trouve le preneur, il vous restitue les fonds. Cette approche ne marche pas toujours. Les déconvenues avec le pas de porte ont particulièrement affecté le commerce de Charlotte. C'est désormais ce bâtiment jaune qui occupe la place des magasins qu'elle occupait. En 2000, je venais tout fraîchement de la terminale. Je venais avoir le bac et je pouvais m'asseoir comme ça. Donc maman vivait encore, on a pris deux magasins. Il y avait des magasins ici en vent. Ceux qui connaissent le Pougon 16e peuvent se rappeler. On a pris deux magasins, on a payé 800 000 pour pas de porte. Et on a commencé à travailler jusqu'à 2011. Quand il y a eu la deuxième guerre, on est revenu. Voilà qu'ils ont conçu beaucoup de choses là, on n'a pas remboursé quelque chose. Charlotte ne baisse pas pour autant les bras. À la deuxième expérience, c'est à la CDC, j'ai payé un magasin, pas de porte, 5 millions. Jusque-là, le monsieur, il ne le voit plus. Il ne m'a pas remboursé et ça continue. Jusque-là, voilà pourquoi aujourd'hui je ne peux plus prendre un magasin. Actuellement, je cherche une villa de 5 pièces. Dans cette rue, elle découvre que les magasins conteneurs sont aussi soumis au pas de porte. Moi, je paye 250 000 chaque mois. Chaque mois, je paye 15 000 francs de loyer. Et les 250 000, c'est quoi, la caution? Pas la caution. C'est quoi? Parce qu'ils nous ont dit que ce n'est pas remboursable. Donc, ce n'est pas la caution qu'on a. C'est juste pour nous installer. Moi, si l'on dit que ce n'est pas remboursable, on ne m'a pas dit ça. On dit d'aller me rembourser, mais jusque là, oui. C'est à différentes formes. Ma chérie, au revoir. Que Dieu bénisse son commerce. Amen. Elle continue de prospecter. Pas de porte, 200 000. Et le loyer est à 40 000 par mois. C'est à chaque dimension, ça n'a pas de porte. Là-bas, c'est 100 000. Il n'y a pas de porte. Mon activité ne me plaît pas, c'est trop petit. Si je veux prendre. Il y a peut-être 4-5 magasins et puis alignés. En attendant de trouver une villa, c'est à domicile qu'elle exerce son activité. Nadège, le client est venu de livrer son produit. Et l'autre là, c'est pas encore prêt. Vous voyez, à cause des pas de porte, je ne peux même pas exercer mon activité comme il se doit. C'est en ligne, ça ne marche pas. Et une activité, une telle avenue, s'il n'y a pas de location, comment dirais-je, de lieu fixe, un bureau, un endroit bien indiqué, on ne va pas te prendre au sérieux. Chez moi, il n'y a pas de place. C'est dans son salon qu'elle expose ses produits. Charlotte voit son activité tourner au ralenti. Dans les cas de visite, quand je donne à quelqu'un, on dit « oui, non, je vais vers toi ». Oui, un peu, ça passe. Il n'y a pas du sérieux dans mon travail. Ça tue vraiment l'entrepreneuriat. Je fais comment? Mes enfants grandissent, ils sont à l'université, d'autres au IBPC. Entrer en sixième, comment je fais? C'est difficile.
tourmente, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire avec à sa tête Mohamed Dembélé a décidé de prendre son bâton de pèlerin. Ce matin, c'est dans la commune du Plateau que l'association rencontre des commerçants. Aïe, comment ça va? Ça fait deux jours, ça va bien? Et les activités? En l'air, tu as envoyé de bonnes trucs. Il y a toujours des nouveautés. Ah bon? Il y a du vache, des pantalons. D'accord. Dans cette boutique, d'à peine 3 mètres carrés, Dembélé écoute religieusement ce commerçant. On est coincé ici, c'est pas parce qu'on veut bien rester, mais on veut bien déménager, aller trouver notre magasin. D'accord. Mais le fermier n'est pas à l'époque nous bloque, franchement. D'accord. Ou avoir 10 millions, d'accord, ou bien 5 millions. D'accord. Si moi j'ai 5 millions, je pourrais payer mes marchandises, puis vendre. Bien sûr. J'ai donné 5 millions à propriétaire de magasin. Bien sûr. Et puis après, je dois aménager. D'accord. Puis après, chercher encore de l'argent pour pouvoir payer les marchandises, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Sans financement. Mmh. Je pense que c'est les gros commerçants. D'accord. Voilà. Sinon, nous les jeunes Ivoiriens, surtout, nous qui sommes les petits commerçants, on n'a vraiment pas les moyens pour les pas de compte. Il fait l'amer constat de la situation de précarité qu'occasionnent certains magasins. Compte tenu des difficultés des commerçants aujourd'hui pour s'installer, ils sautent sur les premières offres qui viennent à eux. Sinon, vous-même, vous voyez, il n'y a pas de... Regardez comment j'ai transmis. Il n'y a pas de fenêtres. On ne peut même pas accueillir plus de 2 commerçants ici. Ce genre de cadre, 2 clients, ce genre de cadre, ils vont nous parler de pas de porte. Il faut payer des pas de porte pour ce genre de cadre. Même si c'est un bon, il doit payer un pas de porte. Vraiment, c'est lamentant de voir tous ces commerçants en train de pleurer. Tous les jours que Dieu fait, nous venons les sensibiliser. Une démarche qui se veut inclusive. D'abord, il faut les sensibiliser déjà à eux, parce que c'est nous qui venons prendre les pas de porte. Il faut comprendre avec les commerçants aujourd'hui, l'argent qu'ils investissent pour les pas de porte, on peut investir encore ailleurs dans les achats de nos magasins, du terrain ou de d'autres choses, de marchandises que nous pouvons revendre. Vous voyez, après maintenant, les commerçants bien sensibilisés maintenant, nous dirigeons maintenant vers les autorités communales pour les expliquer les difficultés que les commerçants rencontrent dans les différents marchés de Côte d'Ivoire. Pour l'UCCI, la suppression du pas de porte devrait emmener un peu plus d'ordre chez les commerçants ivoiriens. Regardez aux alentours. Tous ces jeunes n'arrivent pas à s'installer aujourd'hui parce que déficit de magasins et puis déficit aussi de montants que les promoteurs fixent à ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, comme vous voyez le e-commerce, aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à les localiser, vraiment aujourd'hui, parce que quand tu demandes à 90% des vendeurs de e-commerce, pourquoi vous ne prenez pas de magasin, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent, n'ont pas de porte. Je pense que dans nos marchés même, les conteneurs que vous voyez, c'est plus facile à moi de faire un conteneur que d'aller payer un magasin à 10 millions, 15 millions, 20 millions, comme vous le dites, selon la commune. Vous pensez que la cherté de la vie découle de ça? 60% de la cherté de la vie fait partie des pas de porte. Imaginez qu'aujourd'hui, tu vas payer 90 millions de pas de porte. En quelle année que tu vas avoir cet argent? De voir moi. 90 millions. Parce qu'il faut comptabiliser ton argent. En quelle année que toi tu vas faire, vendre les actifs, tu vas rentabiliser cet argent? C'est vraiment déplorable. Donc, les gens essaient de mettre l'argent des magasins sur les marchandises qu'ils vendent, sur les actifs. On va le faire ensemble. On va le faire. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, vraiment, merci infiniment encore. Vraiment, merci encore. Et puis, du courage et puis, bon boulot à vous. On est ensemble. Hein? Cette fêtière de 100 000 commerçants veut surtout être le cheval blanc qui apporte la solution à la question du pas de porte. Il y a juste en bas, on a prévu là pour le stockage des marchandises qui vont arriver. Voilà, donc nous allons exploiter la surface. Comme vous voyez les jeunes en train de jouer, voilà, nous allons exploiter au maximum de sorte que tous les commerçants qui sont dans l'ancien marché puissent avoir un espace ici. Ils vont continuer de payer les taxes à la mairie. C'est sur ce terrain, dans la commune de Yopougon, que Dembélé prévoit bâtir un marché de 10 000 places, sans obligation de prendre de pas de porte. En attendant le début des travaux, les pouvoirs publics sont interpellés. Aujourd'hui, les pas de porte freinent l'élan de développement du commerce en Côte d'Ivoire. Imaginez aujourd'hui la prolifération des jeunes frères qui vendent à gauche, à droite, les vendeurs ambulants.
Ça a déficit des pas de porte. Le e-commerce, tu demandes à nos jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui, qui veulent s'exercer, ils sont en face des promoteurs qui les imposent déjà des pas de porte. C'est tout l'étendue du pays qu'on nous demande des pas de porte. Vraiment, c'est notre cri de cœur en ce moment, de sorte que nous pouvons remédier à ça. Le pas de porte impacte la vitalité de l'économie informelle. Il fragilise les plus faibles et risque de faire disparaître de nombreux acteurs dans un secteur qui occupe 90% de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Un boulevard de réflexion s'ouvre pour les législateurs ivoiriens sur l'encadrement de cette pratique. Et pour en parler, nous sommes rejoints en plateau par le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, M. Mohamed Dembélé. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir pour nous de nous prononcer sur la problématique des pas de porte en Côte d'Ivoire. On vient de vous entendre dans le reportage, vous souhaitez la suppression des pas de porte. Est-ce vraiment la solution aujourd'hui? Vraiment, c'est la solution. Il faut dire que les pas de porte sévissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans notre milieu du commerce. Le secteur du commerce est vraiment primé par la difficulté des pas de porte. Les jeunes n'arrivent plus à s'installer. Vous remarquez dans le reportage les vendeurs ambulants à travers notre rue, notre quartier, les difficultés d'acquérir des magasins dans les communes d'Abidjan. Vraiment, c'est un casse-tête chinois pour nous. Nous appelons l'État de Côte d'Ivoire de nous aider vraiment à supprimer les pas de porte sur toute l'étendue du pays. Mais alors, est-ce que c'est juste aussi d'hériter d'un endroit qui jouit déjà d'une popularité, d'une clientèle qui est fidèle et que le propriétaire du bail ne puisse rien recevoir en retour de tout ce travail qui a été fourni en amont? En fait, il s'agit plutôt de apporter un souffle de soulagement aux acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Les pas de porte, sincèrement, sont très difficiles pour nous dans nos corps de métier. Les espaces utilisés ou les communes où les pas de porte existent drainent énormément de monde. Il n'y a pas de loi en thème vraiment pour les pas de porte au niveau national. Est-ce qu'il ne faut pas finalement alors plutôt encadrer plutôt que de supprimer le pas de porte? Encadrer, c'est... Mais vu le coût des pas de porte, même déjà, c'est déjà beaucoup pour nous. Encadrer de quelle manière, ça, on ne sait pas pour le moment. Mais pour le moment, on demande à l'État de nous accompagner déjà à recaser déjà les acteurs du commerce au niveau de concernant les pas de porte. Alors, comment ça se fait qu'il y ait un espèce de silence juridique au niveau des législateurs face aux cris de détresse des commerçants depuis toutes ces années? On n'arrive pas à comprendre parce que nous, on s'est approché déjà des différentes chambres de justice au niveau de la loi ici, concernant les expliquer déjà le phénomène des pas de porte, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment on peut nous appuyer là-dessus pour qu'on puisse essayer de voir. Donc je pense que nous avons rédigé des articles de loi que nous allons soumettre peut-être aux députés ou aux maires de regarder de près concernant les difficultés des pas de porte sur le territoire ivoirien. Non, pour l'instant, vous n'avez approché aucun député, qui sont les représentants des Ivoiriens pour... Je pense qu'on s'est approché auprès de UVIC aussi, de l'Union des villes et communes de la Côte d'Ivoire, où nous avons déposé des dossiers. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu suite d'abord concernant les courriers que nous avons déposés. Alors, juste comme ça, peut-être pour avoir une idée, si on devait dresser peut-être un top 3 des communes les plus chères, oui, en termes de pas de porte, ce serait quoi au vraiment, niveau d'Abidjan? D'accord. Au niveau d'Abidjan, la première commune dont les pas de porte sont plus coûteux, la commune d'Adjamé, où les magasins partent de 20 millions à 100 millions de pas de porte. Vous avez la commune de Makouri, où les magasins partent de 20 millions à 80 millions. Et puis vous avez la commune du Plateau. Parmi les top 3, je pense que voici les 3 communes où les pas de porte sont vraiment excessivement chers. Vous imaginez ces montants? Combien de jeunes ivoiriens peuvent débourser ces montants pour pouvoir s'installer? C'est impossible. C'est ce qui donne l'occasion des vendeurs ambulants dans nos rues. Nos quartiers sont bornés de conteneurs à gauche, à droite. Donc vraiment, c'est un peu aberrant, c'est un peu difficile pour nous pour s'installer aujourd'hui dans un magasin en Côte d'Ivoire. Comment on explique ces différences de prix des pas de porte? Comment les prix sont-ils fixés? Il n'y a pas de critères particuliers concernant les prix.
les communes varient en fonction de l'autre. À Djamé, on dit comme c'est une commune commerciale. Donc, le propriétaire, lui, juste bon, comme il y a la clientèle qui est là, il fixe... 80 millions, qu'est-ce qui justifie ce montant? Rien, rien du tout, il n'y a pas... En fait, la superficie des magasins en général que nous avons des magasins de 10 mètres carrés à 16 mètres carrés. Au niveau de l'intérieur, vous avez ces mêmes magasins, mais il n'y a pas de porte. Mais pourquoi c'est forcément à Abidjan seulement que nous sentons plus les pas de porte? La question vraiment nous posons aux autorités de nous aider à vraiment réaliser les pas de porte. Si vous aviez un message ce soir pour des commerçants qui souhaitent s'installer, quels sont les pièges à éviter et puis qu'est-ce qu'il faut savoir avant de racheter un pas de porte? Merci pour nous donner l'occasion. Je pense que dans notre micro-territoire, nous avons commencé à interpeller les commerçants. Ne vous donnez pas au pas de porte. Parce que le pas de porte, c'est une perte d'argent du commerce. Déjà, on va s'endetter gratuitement. Donc, évitez plus ou moins, trouver d'autres magasins où on ne demande pas de pas de porte pour pouvoir vraiment vaquer à votre occupation tranquillement. Sinon, c'est très difficile de s'installer en ce moment. Merci à M. Mohamed Dembélé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir éclairé sur cette problématique des pas de porte en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci infiniment. En deuxième partie d'émission, Pierre, c'est un sujet découverte qu'on propose. Et oui, nous serons dans un village, un petit village, pas très loin d'Abidjan, mais plutôt atypique, un village dans lequel sont bâties des maisons sur pilotis. Nous serons en immersion en pays de Tiagbara. Ce sera après une courte page de pub. A tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. Imaginez-vous, vous réveillez tous les matins au son paisible de la lagune, la végétation luxuriante autour de vous et puis l'horizon à perte de vue. Eh bien, c'est le quotidien de près de 4000 habitants du village de Tiagba et surtout ceux des trentaines de maisons sur pilotis. Et oui, Pierre, une réalité assez atypique et qui suscite la curiosité naturellement. Comment s'organise la vie de ses habitants au cœur de la lagune? Quels sont leurs moyens de déplacement? Quelles sont aussi les activités qui rythment leur journée? Et puis, y a-t-il des codes finalement qui régissent cette vie hors du commun? Le reportage de William Sakiré, Armé Zozo et de Trésor Wagi. Logés à l'angle de la baie de Kouskou et de la lagune Ébrier, entre Dabou et Grand Laou, l'île de Tiagba se réveille chaque matin en offrant ses trésors comme un cadeau à la vie. Le plus beau, son lever de soleil. Au loin, sur ce territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les premières pirogues caressent la lagune. À Tiagba, tout est lié à la lagune. On peut y prendre sa douche, circuler en pirogue, et quand l'heure de l'école approche et qu'on est pressé, on traverse le bras de la lagune à la nage, comme cet élève. Tenons en main ses affaires de l'école, tel un trophée à ne pas perdre. Bon, je me traversais pour aller à l'école. Je fais les cours juste vite pour venir à la maison. Bon, je ne veux pas rester en retard. Toujours, on fait ça. Donc, s'il y a plus grand, on court vite pour aller. Pour traverser, c'est ça que je dis, mais attraper mon sac pour aller à l'école. Donc c'est tout le jeu comme ça, lorsqu'il n'y a pas de pirogue, oh. Tu te débrouilles toi-même pour venir à la nage. Oui, c'est ça, j'ai fait ce que je dis pour aller à l'école. Pour mieux découvrir l'île, prenons un peu de hauteur. Avant de redescendre, pour croiser la route de Jérémy. Il est l'un des personnages incontournables pour tous ceux qui arrivent et veulent visiter l'île. Avec lui, nous embarquons à bord de ce bateau.
Objectif, faire le tour de ce bout de terre de 54 hectares. La population de Tiaba, c'est 4000 habitants. Majoritairement des Haïzi, peuple autochtone de l'île. Bon, nous vivons certainement de la pêche et de l'agriculture. À l'époque, c'était café et cacao, mais quand le verre-culture est venu, les gens ont préféré laisser beaucoup de café et cacao et ils sont lancés maintenant dans le palmier et le verre. Donc, les parents ne quittent pas sur l'île, c'est de l'autre côté sur la terre ferme. Dans ce monde lagunaire, la pirogue demeure le moyen privilégié de transport. C'est nous, au Blaye ici, la pirogue, c'est la priorité. La pirogue est le seul moyen de locomotion. Chaque famille en est deux ou trois pour le déplacement. Parce que les champs ne sont pas auprès de nous, les champs sont très loin de nous. Alors, il faut prendre la pirogue pour aller au champ. L'autre trésor de l'île, c'est l'architecture de son habitat. Ces maisons construites sur pilotis, des maisons dont les fondations sont dans la lagune. C'est une douche, c'est ça? Oui, là, c'est une douche juste pour se laver, voilà. Mais il y a des terrasses. Par exemple, là, c'est une terrasse. C'est une terrasse. Le village est construit essentiellement sur les flancs lagunaires, avec un mélange de maisons à l'intérieur des terres et d'autres sur pilotis, comme ici où nous nous posons. Alors Jérémy, ici, où est-ce qu'on est? Nous sommes dans le quartier qui s'appelle Cheki. Au fait, Tiagbala, c'est divisé en trois quartiers. Nous avons le quartier Tiba, le quartier Cheki et le quartier Valseré. Alors, Cheki, ça veut dire le sable. Parce qu'avant ce quartier-là, il y avait assez de sable avant. Donc c'est pour cette raison ce quartier-là s'appelle Cheki. Donc, le grand frère qui est là, c'est le seul qui nous permet de visiter sa case. Raison pour laquelle, quand je suis avec des visiteurs, je les amène chez lui pour qu'ils puissent échanger un peu avec les visiteurs et les donner de l'eau à boire. Boniface, le propriétaire de la maison, nous l'a fait visiter. Ah, c'est la deuxième chambre. Ça, c'est ma chambre. Et donc, en fait, vous confirmez que juste en dessous, là, c'est l'eau qui est là, quoi. Ouais. Ça, c'est l'eau qui est là. Et puis, on a mis un tapis là. Alors, pourquoi justement avoir voulu rester dans cette maison sur pilotis? Vous auriez pu faire votre maison sur la terre avant. C'est à cause des vents, le vent. Actuellement, quand il fait chaud, c'est ici, on vient pour prendre l'air. Une architecture basée sur le bambou, comme l'explique Jérémy, accessoirement fabricant de maisons sur pilotis. Vous savez, les bambous de raffia que nous utilisons pour la construction des cases sur pilotis, si les bambous sont tissés ou alors pointés comme ça sur le mur, lui, il peut rester, ce bambou-là peut rester pendant 10 ans. Les champs seulement qu'on fait, c'est là. Parce que là, les gens marchent dessus, le poids les affaiblit et c'est ce qui les fait gâter et puis on les change au fur et à mesure. Mais le mur là est de très très longtemps. Les maisons sur pilotis, c'est aussi l'occasion de célébrer le vivre ensemble et la solidarité villageoise. Si moi je vais construire une case sur pilotis, j'informe aux gens que aujourd'hui je vais construire une case sur pilotis. Le lendemain j'achète de la poisson, du vin de palme, du koutoukou. Tous mes amis vont m'accompagner à aller couper bambou. Vous voyez, c'est comme ça que nous travaillons. Maintenant, celui qui n'est pas du tout au village, quand il arrive pour construire une maison, c'est payer le matériel, donc ils sont obligés quelquefois même de construire en briques. Parce qu'en briques, là, il n'y aura plus de change. Vous voyez, là, il ne va plus changer de bois, la maison reste telle. Et moyennement parlant, ceux qui ont les moyens sont ceux qui construisent la maison. C'est plus petit, de manière moderne. Le village de Tiagba compte une trentaine de maisons sur pilotis.
certaines entièrement traditionnelles et d'autres avec une touche de modernité, comme sur ce chantier. Ici, bon, on est à côté de la plateforme de la maison. Là, c'est de la planche. En bas, il y a parfaitement de l'eau. On a fait sans planche pour ne pas avoir des dégâts au fur et à mesure. Là, ça se gâte. Puis l'enlever, je change facilement. Alors, donc, en fait, ce que vous voulez nous dire, en fait, c'est que là, ici, là, oui, c'est de l'eau qu'on a en dessous ici. Oui, il y a de l'eau en dessous. Il y a de l'eau en dessous. Dès que tu enlèves la planche, c'est vivement de l'eau. Tout à fait. Du traditionnel dans un esprit moderne. On a fait ça un peu à la moderne par rapport à l'ancien temps. C'était du bambou comme là. Parce que ça, le bambou, ça nous fatigue un peu. Chaque année, pour échanger, refaire, bon. On a joué bon de faire sans planche. À la fin des travaux, cette maison sur pilotis servira de maison d'hôte aux touristes et aux amoureux du dépaysement. Là, c'est une chambre. Là, c'est une chambre. Elle n'est pas encore finie. C'est maintenant qu'on a commencé les travaux d'ici. Lorsque c'était fini. Là, c'est une chambre. Ce côté, il y a une cuisine. Pour les gens qui vont venir en week-end, voir, vont vouloir venir se reposer les samedis, passer un bon temps. On a fait ça spécialement pour eux, pour ceux qui vont vouloir venir passer les week-ends sans être dérangés. Vous pouvez passer votre week-end samedi, dimanche. Bon, ok. Parfait. Comme ça. Avec en prime cette vue sur la lagune. C'est ce qu'on veut proposer aux gens. Vous avez la Tchaba. Lorsque vous êtes sur l'eau, bon, l'on se sent parfait chez lui. C'est ça en Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est ça la Tchaba. Avec la belle vue. Avec la belle vue, tout ça. En tout cas, lorsque ce serait fini, parce que c'est juste, tu ne vas pas le regretter. Mais là, comment vous vous sentez déjà au niveau? Ah là, je suis très ému. Content. Vous avez de l'air? Ouais, de l'air. Bon, là, on n'a pas besoin de climatiser, ventilateur comme ça. Sous l'eau, tu dois paisiblement. Même quelquefois, même nous-mêmes, on n'arrive pas à dormir ici. Le froid, tellement le froid me prend. On se rentre dedans. De ses maisons sur pilotis, l'île de Tiagba se distingue également par ses arts de vivre. Dans le village, tout le monde ou presque est pêcheur. Ce matin, nous avons rendez-vous avec François. L'homme est pêcheur et natif de l'île. Alors donc là, aujourd'hui, là, où est-ce qu'on va maintenant? Bon, on va au campement. Au campement, puis on fait une partie de pêche. Principalement la pêche de Dogbo. Dogbo, ça veut dire quoi? Dogbo, c'est bambou de Chine. Ce sont les bambous de Chine qu'on coupe et puis on essaie de percer l'intérieur parce qu'il y a des chambres. Donc on essaie de percer l'intérieur et puis on attache ça à une corde. On pique les bois dans l'eau et puis on les jette dans l'eau. Genre comme un piège à poisson. Donc en fait, c'est une technique de pêche traditionnelle purement de Tiagba ici. Oui, purement de Tiagba. Même les Chinois qui ont plus de bambou de Chine ne connaissent pas cette technique de pêche-là. À bord du bateau de François, nous pouvons découvrir et humer l'air frais du plan d'eau. C'est tous les jours que vous venez ici, bien c'est plutôt périodique. Bon, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours. Là, le système de Dogbo, par exemple, c'est périodique. Il y a une saison pour ça, c'est vrai. Mais il faut dire, quand la saison arrive, c'est ça, on fait beaucoup de prises, quoi. Sinon, en temps normal, pour la nourriture, à chaque fois tu peux venir. Tu fais des bon, je peux mettre au moins 100, 300, 500 Dogbo.
Et c'est quand la meilleure saison alors pour avoir la meilleure saison, c'est le mois de juin, juillet, août. Voilà, disons, c'est trois mois là. La saison des pluies, c'est ça. Vingt minutes plus tard, nous arrivons près des ateliers de Dogo de François. Eric, Aiko, attends Dogo. Ah gars, j'ai la bise quoi quoi. C'est aussi l'occasion pour nous de voir de plus près le Dogo. Vous savez que le Dogo c'est un bois, hein, n'est-ce pas, qui a un creux à l'intérieur. Donc on essaie de casser les différentes portes qui sont fermées là, et puis on trouve de l'espace. Maintenant on fait un trou ici, on attache à une corde, on pique les bois dans l'eau et vient on accroche pour ne pas que la marée amène nos dobos loin de l'atelier quoi. Et c'est comme ça, quand on vient, l'eau qui rentre dans le dobo est un peu tiède, donc les poissons ont besoin d'un peu de la chaleur, surtout les macharons. Macharon, c'est un poisson à peau nue. Donc le macharon vient directement et rentre dans le dogbo. Et tu laisses ton dogbo une semaine, deux semaines après. Tu viens, tu les regardes. Et puis on capture les poissons. Ouais, c'est un peu comme un piège à poisson. Un piège à poisson, c'est ça, justement. La pêche du jour n'est pas fructueuse. Mais quand c'est la haute saison, les pêcheurs ici font du chiffre. Là, c'est un atelier. Là, c'est un atelier. Et quand tu regardes un atelier, que tu mets près de 200, 300 dogbo, mais pendant la saison, tu peux faire près de 5 à 7, 5 à 6 à 10 sauts. Et s'il y a un saut à 5 000, 5 sauts, ça te fait déjà 25 000. C'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est chaque semaine, hein, quand c'est la période. Alors, Eric, est-ce qu'on peut considérer que c'est une technique de pêche qui est difficile? Non, c'est pas du tout difficile. Mais comment faire justement pour pouvoir maîtriser ça? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme aptitude? Qu'est-ce qu'on doit savoir faire? Savoir nager, c'est quoi? Tu dois savoir nager d'abord. Et toi aujourd'hui, c'est ce que tu fais quotidiennement ici? Oui. En pays Haïti, il n'y a pas que la technique de pêche du dogbo. Nous avons entre nos mains les fruits de notre pêche au dogbo. Mais en plus du dogbo, il y a une technique de pêche certainement plus répandue, la pêche à l'épervier. Pour faire une bonne pêche à l'épervier, il faut souvent entretenir le filet. Le filet, si, est celui de Domi. Bonjour Domi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Vous faites quoi en ce moment? Essayez de réparer mon filet. Parce que si ça se déchire, on lance dans ta propre poisson. Donc on doit coudre pour lancer et puis on va attraper le poisson. Mais justement, la technique de l'épervier, de la pêche, tout ça, où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a appris à pêcher? C'est mon père qui m'a appris à pêcher. Il m'a appris à lancer l'épervier, il m'a appris à couper un truc filé aussi. Donc, il m'a appris à ramener tout ça là. C'est lui qui m'a appris. Mais qui était petit, il m'a amené à la pêche. La ville lagunaire à ses codes. Tu dois apprendre à nager aussi, à ramener. Les dimanches à Tiagba, c'est jour d'église. Et dans les maisonnées, on se prépare. Mais ce dimanche est bien spécial pour Syriac et tous les membres de la communauté de l'église du Christ Mission Papa Nouveau. L'église Papa Nouveau, une communauté religieuse née en Côte d'Ivoire en 1937, et présente essentiellement dans les régions lagunaires. Bien, aujourd'hui, c'est un jour important pour nous. Je m'apprête à aller à l'église. Et aujourd'hui, c'est le port des habits ancestraux.
Nos parents, ils ont travaillé, ils sont partis, ils nous ont laissé quelque chose dans la malle. Et vous savez qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude d'ouvrir les malles tout le temps. Donc, il faut quelquefois prendre un jus spécial et puis sortir ça, donner aux enfants, aux neveux, on va porter et puis mettre ça au soleil. La fête du port des vêtements ancestraux a lieu le deuxième dimanche après la célébration du jour de l'an. Et son fondement repose sur une prophétie de Papa Nouveau. Papa Nouveau lui-même, là, sa mission première, il dit « Dieu m'a envoyé pour sortir les hommes noirs de la misère. Combat du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que dans un esprit de paix et de liberté, chacun puisse jouir du fruit de son travail. » Voilà. Mais quand tu prends 1937, dans tous nos villages, mais écoutez, tu n'as pas dit qu'en 37, il y avait quel village qui était développé? On n'avait pas. Et en son temps, il dit à nos parents d'alors, « Travaillez pour avoir beaucoup plus de biens que vous ont laissé vos parents. » Mais aujourd'hui, là, quand on regarde, est-ce que les pains que nous ont laissés nos parents avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose? Même un enfant qui naît déjà, il a son trousseau. Depuis près de 100 000, la promesse est réalisée. Et ça aussi, c'est une manière de concrétiser. Et ça, voilà. Près de là, Jean-Fabrice, le neveu de Syriac, se prépare aussi. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous aussi. C'est la fête de nos grands-parents, tous ceux qui ont travaillé, ils ont laissé. C'est ça aujourd'hui. Bon, Dieu a décidé. Oui, on a prévu ça aujourd'hui pour faire sortir les amours, pour faire porter les pains sur les petits enfants avec nos parents, pour mettre ça en valeur, pour faire plaisir à nos grands-parents qui sont partis. Alors justement, vous êtes super jeune, hein? Mais on voit que ce pain est vraiment ancien aussi. Pourquoi vous qui êtes jeune, vous tenez réellement à cet événement, à cette fête-là? Parce que c'est nos grands-parents qui ont travaillé, qui ont laissé ça. Nous, pour le moment, on n'a pas encore eu la chance pour payer pour mettre dedans, dans les amours. Donc, il faut qu'on porte pour les faire plaisir. Si ça reste dans les amours, ça va se gâter. Ça va se prendre dedans. Ça veut dire que tout le travail qu'ils ont fait à tout est gâté, tout est évaporé. Donc il faut vraiment qu'on fait pour pouvoir porter, pour pouvoir aller là heureux et puis où ils seront toujours en paix. On va se changer trois fois, on revient. C'est pourquoi on a déposé tout ça. Je vais, je reviens, je dépose ça, je prends l'autre. Ainsi de suite trois fois et puis maintenant on va à l'église. Alors justement, est-ce qu'on veut se changer comme ça? Là on a ce pagne là, mm-hmm. On a l'autre pagne qui est là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir à chaque fois se changer? C'est une opportunité pour sortir. Hein, les habits de nos parents, en plus de ce que nous avons pu acquérir. Et puis bon, au lieu de venir prendre un pain parti et les autres, c'est pour ça qu'on permet à tout le monde, à chacun de prendre. Il faut utiliser, il faut porter. Il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait dessert, ou bien quelquefois ça va rester, quand tu ouvres la main, tout est gâté. Donc un jour au moins, il faut sortir les biens de nos parents et puis exposer ça au soleil, porter ça un jour et puis remettre ça à sa place. Donc en fait, c'est une façon aussi de garder le lien avec les parents. Bien sûr, puisque nous avons l'héritage. Et l'État, il faut fortifier. Quand on te laisse quelque chose, tu entretiens, tu fortifies. Plus toi aussi, tu en fais pour ajouter. Et puis, tu pars de la base de ce qu'on t'a laissé comme héritage. Ça, par exemple, ces pagnes-là, c'est les pagnes de qui? De papa, de oncle? Oui, les grands-pères, papa. Au fur et à mesure, les pagnes s'en vont. Et puis, on en ajoute. Donc, le grand-père a laissé les pagnes. Le père est venu. Au-dessus, je suis là. Je vais aussi dessus. Dans les rues, c'est à un balai de couleurs et d'étoffes locales que nous assistons. Alors que certains fidèles entrent dans l'église, d'autres en ressortent. C'est trois fois déjà, on va, on vient, on se fatigue voilà. Pas. Voilà, on ne se fatigue pas, puisqu'on est dans un village. C'est à pied que tout se passe. Voilà, si c'est en ville, il faut prendre un taxi pour aller à la maison, on n'est pas évacué. Et comme nous sommes dans notre village, donc le déplacement n'est pas difficile, certes. On voit que la Trinité, c'est quand même que vos petits-enfants sont là avec vous. Oui. La fête, c'est pour tout le monde là-bas. C'est pour tout le monde. C'est une fête de richesse. Nous présentons à Dieu tout ce que nous avons fait. Et que demain, bien sûr, chacun de nous est appelé à partir. Mais en allant,
pour laisser l'héritage à ceux qui vont suivre. On rend gloire à Dieu en lui présentant tout ce que nous avons fait toute l'année. Puis revoilà Syriac dans une nouvelle tenue. C'est la tenue parce que lorsqu'on vient, d'abord on apporte une tenue. Et puis, on se change. Quand on fait une prière, on va se changer une fois. Donc ça fait la deuxième tenue. Et on vient, c'est la dernière fois qu'on vient maintenant. Voilà. Là maintenant vous avez changé de chapeau. Oui, des changements de pagne, voilà. Et puis voilà. Donc c'est ça avec ça qui est tenu le culte. À l'intérieur du temple, les fidèles, le chœur et les tambours donnent le ton de ce jour de fête. Dans un an, les fidèles de l'église seront de nouveau au rendez-vous pour célébrer leurs ancêtres et le fruit de leurs efforts. En attendant, l'île de Tiaba n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux. Un très beau reportage réalisé par William Sakiré qui va nous rejoindre. Je le rappelle que ce reportage, c'est vous qui l'avez proposé. Alors continuez de le faire sur nos réseaux sociaux ainsi que sur la page de NCI. Bonsoir William, merci Mélina, d'être avec nous. C'est magnifique, c'est ouais. Un paradis c'est pour moi. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant sur ce site? Alors je dirais que ça m'a ramené, on va dire quoi, une trentaine d'années en arrière. Parce qu'on a découvert Tiaba dans nos livres de l'école primaire. Et pouvoir arriver là, faire comme ça 3 jours avec eux, c'était vraiment émouvant. Je suis quand même tombé sous le charme de ce village. Vous avez dormi dans ces maisons? Bon, malheureusement, on n'a pas pu dormir dans ces maisons. Mais on a quand même passé, quoi, on va dire, la matinée et l'après-midi. Et c'est vraiment agréable pouvoir, comme ça, comme tout à l'heure Pierre le disait, voir la lagune comme ça devant nous, toute la végétation. Prendre du vent comme ça au quotidien. Mais par moment, on était là comme ça et puis on regardait un peu le sol, comme on n'est pas habitué en fait. Voilà, donc c'était super beau. Alors qu'est-ce que vous avez appris sur la vie quotidienne de ces habitants, sur leur mode de vie en particulier? Alors globalement, ils se déplacent hein, en pirogue. On peut aller à l'école en pirogue, aller au champ de l'autre côté en pirogue, aller à la pêche naturellement en pirogue aussi. Et pour les plus, on va dire, pour les plus téméraires, on fait ça à la nage. Bon, on n'a pas essayé de le faire, hein, mais on les a regardés le faire. Et puis, c'est quelque chose de vraiment agréable. Et puis aussi, il n'y a que tous les jours, comme ça, on peut manger du poisson à chaque fois, sous toutes les formes, en sauce, en braisé ou bien en grillé. Donc, c'est une vie vraiment calme. C'est du dépaysement pour ceux qui y sont intéressés. Moi, je suis jalouse hein, de cette vie, de ce petit confort, de cette beauté du paysage. Est-ce qu'ils ont conscience, les habitants donc, de ce village, de ce trésor qu'ils ont, de ce village qui est magnifique, cette magnifique île? Ils en ont conscience. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont envie de s'ouvrir davantage. Parce que c'est clair que c'est une île, donc on n'y accède pas forcément par la route. Il faut faire quand même, on va dire, autour de 100 km de route, 80 sur bitume après, maintenant une vingtaine sur piste. Y arriver. Le réseau ne capte pas forcément bien là-bas. C'est peut-être un avantage aussi pour ceux qui veulent se reposer. Donc, eux, ils utilisent ça aujourd'hui comme atout. Mais en même temps, il y a par exemple un de nos personnages qui est en train de construire une maison d'hôtes. Donc, ils savent que c'est une destination touristique à mettre en avant. Et ils savent pouvoir faire certainement un business aussi. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut déjà faire sur place? Déjà, c'est que le matin, on peut se lever les pieds dans l'eau. Il y a ça déjà. Après ce réveil, on peut apprendre à pêcher. On peut aussi faire le tour de l'île en pirogue ou bien en bateau à moteur. On peut même aussi s'essayer à faire, pourquoi pas, le chemin jusqu'à Jacquesville ou bien jusqu'à Grand-Laou aussi en pirogue ou bien en bateau à moteur. Après, pour ceux qui sont friands de poissons, ils seront servis toute la journée et tout le temps de leur séjour là-bas aussi. Maintenant, pour ceux qui ont envie de faire, pourquoi pas, un peu d'escalade aussi peut-être, il faut dire quand même que l'île est pêchée jusqu'à 100 mètres d'altitude. Donc pour les plus téméraires, on peut quand même essayer ça. Voilà. En tout cas pour moi, j'imagine pour Pierre aussi, on découvre ce village de Tiaba. Comment on explique qu'on n'en parle pas assez de ce trésor qu'on vient de voir?
Alors, par moment, on a rencontré des gens qui n'avaient pas envie qu'on les filme déjà. Il y a eu ça, parce que certains se disent, bon, on vient faire de belles photos ici, on les revend et puis le village n'en bénéficie pas. Donc, à un moment donné, les gens commencent à se renfermer. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ont un vrai trésor, donc il faut chercher à s'ouvrir. On a rencontré des gens en off qui ont avoué, hein, qui se sentent un peu mis à l'écart aussi. Mis à l'écart par qui, on ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment ouverts. Ils se disent que c'est le moment certainement de saisir la pêche par rapport au développement touristique aussi. Et là-dessus, je me dis que tout ce qu'il y a comme office du tourisme en Côte d'Ivoire devrait quand même pouvoir se pencher là-dessus et puis faire quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est vrai que le cadre est beau, mais ils ont peut-être envie de voir arriver aussi un peu plus de développement. Alors, on est quand même obligé d'en parler. Il y a le réchauffement climatique aujourd'hui qui arrive. Quel avenir pour ce village et les populations? Est-ce qu'elles sont conscientes des défis auxquels voilà, on va tous faire face assez rapidement? Et puis comment surtout protéger cet endroit? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un réel défi. Là-dessus, les gens essaient déjà de contrer ce qui peut être une sorte d'étranglement par rapport à l'île. Aujourd'hui, c'est 4 000 habitants qui sont essentiellement sur les flancs lagunaires. Donc, ils ont des terrains aussi qui sont sur le continent. Donc, il y a certaines personnes qui sont originaires de Tiagba, mais qui vivent sur ces terres, sur le continent aussi, pour justement éviter qu'on soit dans une situation d'étranglement, qu'on arrive à étouffer l'île. Et puis aussi, ils sont dans une situation où on vend très peu les terres aussi. Ce qui fait que finalement, il y a une exploitation, on va dire, presque contrôlée là-dessus. Ce qui fait qu'eux, à leur niveau quand même, ils arrivent à préserver cette authenticité puis ce côté naturel-là. Merci, Williams, pour ce beau sujet découvert. Merci d'avoir été avec nous. Et ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Et oui, c'est déjà la fin, Pierre, mais on se retrouve dimanche prochain, même heure. Merci d'avoir été avec nous. Excellent début de semaine à tous. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage. Avec le groupe Porteo, bâtissons durablement l'Afrique de demain.